Bonjour du matin. Il est 10h05 et nous sommes le 2 février 2024, toujours en 2024. Je sais pas si je vais dire l'année à chaque fois tous les matins. Je l'ai dit tout le mois de janvier, peut-être pas que je vais le dire en pétri. Ouais, si c'est bien quand même, parce qu'on sait jamais. Des fois que je retrouve les vidéos d'ici une dizaine d'années et que je me pose la question, mais c'était en quelle année ça? Et je suis déchirée. Non, ça va, ça va. Moi, ça va. Enfin, je suis un peu claquée. J'avoue que le décalage là me donne pas vraiment. Ça me fait pas forcément du bien. Le fait de travailler jusqu'à 22h, 22h30 hier soir, parce que on a décalé finalement. Donc mes clientes sont en Polynésie française hein, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Et qui n'ont pas suivi tout ça. Je travaille en ce moment le soir. C'est très très temporaire. Hein. C'est juste hier soir, avant-hier soir et ce soir. Et donc je suis sur le pont entre. Au départ c'était 20h et 23h. Et puis finalement, comme mes clientes m'ont dit, bah nous on commence à 7h15 le matin. Je fais waouh, 7h15! Donc ça veut dire qu'on commence finalement la formation à 8h pour elle, donc à 19h. Donc au départ on l'a commencé à 9h pour elle, donc à 20h. Puis finalement on a avancé d'une heure. J'aurais dit 7h15 quand même, je vais peut-être pas vous demander de commencer à 7h15, d'autant que moi faut que je mange aussi. Donc là je commence entre 6h et 7h du matin, donc ça veut dire qu'il est tard chez eux, non, c'est ça? Enfin en tout cas moi je commence la réunion à 7h pour à 8h pour eux, donc à 7h pour moi le soir, 19h. 19h le soir et on finit à 22h. Donc ça me fait bosser tard la nuit, enfin tard le soir et oui, enfin là en ce moment, quand il est 19h ici, il est 8h chez elle. Donc ça va. Et donc voilà et donc hier soir, j'ai fini à 21h30. Ce soir, je vais finir à 22h30. Ouais, on pourrait avoir encore plus de décalage. Hein. On a de la chance déjà d'être en Polynésie française. Il y a 11 heures de décalage. Oh, ça fait beaucoup, pardon. Et donc, 22h30 ce soir. Bon, après, demain, c'est samedi, donc demain, c'est le week-end. Et comme le disait Franck en arrivant, c'est la journée de Laurie, c'est le week-end. Donc bonjour Franck, bonjour Farly, bonjour SGT Doc. Comment allez-vous ce matin? Vous ça va? Moi ça va. Si vous ça va, alors moi ça va. Pump it up. Je suis corporate aujourd'hui pour 10 heures alors que je suis une cliente Spotify. Leur dites pas, je fais de la pub pour eux alors que j'écoute pas du tout. Bref. J'ai remarqué, tu es Grumpf. Tu es Grumpf. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. C'est pas la forme. J'ai remarqué hier, en regardant un peu mes stats, parce que ça m'arrive de temps en temps de passer un peu de temps sur les statistiques de mes vidéos, notamment sur YouTube. Ça marche. J'ai regardé hier les statistiques sur une de mes vidéos. Enfin sur mes vidéos sur YouTube, il y a une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, un live où vous étiez là, je pense. Non, il n'y a pas tant de décalage que ça avec Teams, là, c'est plutôt propre au niveau du décalage du son. Donc ça va. Donc je disais. Je disais ouais, donc je disais oui, je viens de voir que je vais pas recevoir mon colis de nourriture aujourd'hui, je vais recevoir que demain. C'est pas très grave, je survivrai. Tout va bien. C'est à cause du blocage des agriculteurs, mais comme je soutiens les agriculteurs, du coup je vais pas me plaindre, ça va. Ah donc oui, j'ai regardé les statistiques de mes vidéos et donc il y en a une que j'ai faite la semaine dernière, c'est le 24 janvier.
C'était la matinale sur où on a parlé de Jean-Luc Mélenchon. Vous vous souvenez, on a discuté un peu de Jean-Luc Mélenchon. Et Mélenchon, on avait parlé d'Anticor aussi. Et on avait aussi parlé de Bolloré. Pardon. Cette vidéo, je l'ai publiée le 31 janvier sur ma chaîne YouTube. Et depuis le 31 janvier, d'habitude, mes vidéos, elles sont vues quoi? 10, 20, max 30 fois. Il y en a certaines qui sont vues 50 fois. Il y en avait une qui a été vue plus de 1000 fois, celle où j'ai démissionné du Parti Pirate International. Il y en a certaines qui sont vues jusqu'à 200 fois. Et celle-là, elle est montée très très vite hier, en fait. Elle est montée aussitôt, très très rapidement, à 300 vues. Là, on est à 343 vues à l'instant où je parle, là, tout de suite maintenant. Et j'ai reçu un commentaire dessus ce matin. Et donc, ça m'a interpellée. Et le commentaire que j'ai reçu ce matin, c'était un commentaire de quelqu'un qui disait, donc c'est Marc-Antoine Vumilia 4492, qui dit de l'anti-mélenchonisme primaire qui s'appuie bien sûr sur un journal réac. Donc je rappelle qu'on a lu un article du Monde, le journal réac, sur Jean-Luc Mélenchon. Et que après cette lecture, je disais tout le bien que je pense de cet homme. Et vous le savez, hein, mon avis sur le sujet n'a pas changé depuis 2016. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis 2016, vous savez que j'ai un avis bien spécifique sur Jean-Luc Mélenchon et sur ce qu'il propose et sur ce qu'il fait globalement. Et donc, c'est cet avis-là que je vous avais partagé l'autre jour, le 24, justement, le 24 janvier, pendant la matinale. Et en fait, je me posais la question, lequel de ces sujets, entre Mélenchon, Anticor, où je parlais du coup de Macron et Bolloré, avait atteint sa cible. Et en l'occurrence, j'ai eu ma réponse ce matin, donc c'est la critique de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas passée. Donc il y a aussi des gens qui ont mis des pouces, du coup ils ont l'habitude avec Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il fallait mettre un pouce bleu, du coup ils ont mis des pouces rouges. Oui, j'ai un petit acharnement sur cette vidéo, je trouve ça marrant, je me marre. Je me marre, mais je suis pétée de rire. Ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, et ça, du coup, ça a généré aussi, ça a généré une augmentation de mon nombre d'abonnés aussi. Pas beaucoup, hein, mais je suis passée au-dessus des 200 abonnés sur YouTube, donc voilà. On est toujours très loin du million, comme tu le disais, Franck, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Rappelle que Mélenchon, à la fête de l'UMA, va prendre le Figaro pour taper sur le JDD. Mais là, c'est pas réac, ça va. Bah oui, c'est quand ça nous arrange que c'est réac, hein, bien sûr. Enfin, voilà, donc ça m'a fait doucement rigoler. Et puis, ça a aussi augmenté mes statistiques de vues sur mon site. Ce qui, ça aussi, m'a fait doucement sourire. C'était amusant, quoi, voilà. Bientôt la plaque YouTube, n'importe quoi. Alors, c'est au-delà de 1000 abonnés, on peut commencer à monétiser les vidéos. Mais comme la moitié des vidéos sont sous droit d'auteur à cause des drôles et mignons, du coup, je pourrais jamais monétiser quoi que ce soit. Faudrait que je fasse un best-of, sans les... Mais il faudrait que je me mette à faire du montage, que je me remette à faire du montage. Et c'est long. Et j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de faire ça. Alors il faudrait que je paye quelqu'un pour le faire. Pourquoi pas. Bonjour Flymick. Comment ça va? Faudrait que t'ailles voir la vidéo. Bah je sais pas, t'étais pas là le jour où on a parlé de Jean-Luc Mélenchon. C'était marrant. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est marrant. Et si vous voulez parler de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, en tout cas, depuis hier, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne aussi. Sur YouTube, il y en a quelques-unes, et puis sur Twitch aussi. Et donc, c'est marrant. Comme une vraie start-upeuse. Je vais pas payer en visibilité, c'est pas mon genre. J'ai payé une graphiste pour faire tout l'habillage de cette chaîne. Je suis en train de travailler avec une technicienne son pour un éventuel podcast. Elle m'a envoyé des vidéos, des musiques.
y a pas très longtemps, il faut que je lui fasse une réponse. Je paye les gens hein, avec qui je travaille, c'est normal. Donc c'est, je suis comme ça, c'est pas, ça me paraît normal en fait. Et tout comme je viens de payer aussi du matériel pour remonter un nouveau PC, je vais, enfin un nouveau PC, je vais changer ma carte graphique, parce que quand j'avais acheté mon PC, c'était au moment de la pénurie des cartes graphiques là, et il n'y avait plus de super carte graphique, donc j'ai dû me taper une vieille carte graphique, et ça fait un moment là que j'ai une carte graphique toute pourrie. Donc il y a plein de jeux que je peux pas faire, auxquels je peux pas jouer, et mon PC crache à chaque fois, plein de fois sur des jeux. Donc je ne serai jamais riche et de droite. Mais je suis une bobo. Et là, je vais changer la carte graphique. Je vais donc aussi changer le SSD pour en prendre un peu plus gros. Et puis je vais changer la LIM parce que j'ai pas trop le choix aussi. Et donc je vais tout recevoir normalement demain et le 10. Et donc je vais avoir du nouveau matos, je vais pouvoir monter un nouveau, remonter un peu mon PC. Et oui, bonjour Cat Crumble, comment vas-tu? Je crois pas, dernièrement j'ai vu une photo où il posait fièrement avec je sais plus quel président facho d'Amérique du Sud. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Salut Murasaki, comment vas-tu? Pas la forme. Je t'ai répondu hier sur Twitch, et je me disais, ton pseudo me dit quelque chose. Mais oui, on a échangé hier sur la chaîne de Backseat. Enfin, on a échangé, on a juste échangé de mots, quoi. Comment vas-tu? Ça s'est bien passé le live hier de Backseat. J'ai vu que t'étais modérateur, j'avais jamais fait le lien, désolé. Tu seras bien dans la panade quand la FNSEA interdira ton quinoa d'Argentine. On avait dit que je mangeais pas de quinoa, on avait dit. Ça y est, c'est pour très bientôt d'être dans le turfu du gaming. Ouais, bah ouais, je vais bientôt pouvoir jouer à des jeux vidéo, ouais. En fait, c'est surtout. Enfin, là, il y a Enshrouded qui me fait de l'œil, là, j'aimerais bien jouer. Elle est pas RGB, non. Mais ça va. Il y a Enshrouded qui me fait de l'œil, et puis il y a aussi. Là, je suis en train de jouer à The Universim. Et The Universim, je me disais, oh, j'ai pas mis de lumière. The Universim, qui est aussi assez lourd, et qu'il faudrait. Sur le enfin, qui a fait crasher déjà mon PC deux ou trois fois. Merci, mon amour. Bonjour. Donc The Universe, ouais, moi j'ai pu arriver qu'à la fin hier parce que j'ai terminé à 21h30. Du coup, j'ai pu voir que Jean que la fin de l'émission. C'est la fin de la journée. Donc ouais, The Universim, c'est un jeu que j'avais acheté à la pré-alpha, donc il y a très longtemps. Dès le moment où ils ont sorti la pré-alpha, j'ai acheté le jeu et je l'ai téléchargé depuis. Et j'attendais l'alpha, enfin j'attendais la bêta et j'attendais même la V1. Et là, ils ont sorti la V1 il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai commencé à jouer dessus. Je me suis dit peut-être que je ferai un live dessus, ça pourrait être sympa. Donc, je pourrais peut-être revenir un jour, pas un matin. D'ailleurs, on n'est pas sur une matinale tôt le matin. Bonjour à elle. On est sur une matinale un peu moins tôt le matin. Parce que comme je vous les ai dit, j'ai fini tard hier soir. Donc ouais, je pense que je vais revenir pour faire une petite partie de The Universim dès lors que la carte graphique que j'aurai sera suffisamment performante. Comme ça, on aura une bonne image. Et puis moi, j'aurai pas le risque que mon live plante en plein milieu. Parce que ça, c'est un des risques. Il est trop mignon, ce petit chat là, vous voyez? C'est le meilleur endroit. Best place to be. Enfin bref, on s'était arrêté hier, je ne sais plus où. Je ne sais plus où, je vais vous dire ça tout de suite. Miaou. On s'était arrêté hier à une actualité internationale. On va revenir sur ça. C'est parti. Tu dois avoir une carte perforée pour carte graphique. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi le principe? Il est moins motivé pour taper sur son clavier pour travailler que pour jouer le monsieur qui fait du bruit derrière.
Là, il est focus en ce moment-là, tout de suite, maintenant. Et du coup, comme il est focus sur son boulot, il est sur son ordinateur de boulot, donc ça fait moins de bruit. C'est cool. Il essaye de se concentrer. On va pas trop le déranger. Alors, courrier international qui nous dit, reportage, comment la Lettonie cherche à se débarrasser de ses citoyens russes. Une importante communauté russe vit dans ce pays bilingue depuis l'époque soviétique. Mais la guerre en Ukraine fait craindre aux autorités de Riga que Moscou ne cherche à protéger cette population, comme il l'a fait avec les russophones dans le Donbass. Elles exigent désormais que les citoyens passent et réussissent un examen de letton sous peine d'être expulsés en Russie. Un article de Trou, un article de Trou qui vient d'un. Donc Trou, c'est un journal néerlandais, a priori, qui a été publié le 5 janvier 2024. Vieille carte perforée pour les très vieux ordi là. Ah oui, ah oui, d'accord, je vois. Je vois. C'est un vieux, vieux, vieux ordi alors. Depuis la guerre en Ukraine, les célébrations du 9 mai, grande fête russe en mémoire de la victoire soviétique contre les nazis, sont interdites en Lettonie. Mais cette année, à Daugavpils, cela ne se voyait guère. Pendant que les autorités lettonnes fêtaient modestement la journée de l'Europe avec des activités éducatives pour les jeunes, une foule d'habitants était venue déposer fleurs et couronnes au mémorial soviétique du parc Dubrovina. Si la police présente en masse n'est pas intervenue, c'est que des tombes se trouvent au pied de la flamme éternelle et que d'un point de vue légal, il n'est pas possible d'interdire aux gens de déposer des fleurs sur des tombes. Signalons tout de même ce petit incident. Au milieu des flots d'habitants qui arrivaient et repartaient, un homme handicapé en fauteuil roulant, poussé par un membre de sa famille, s'est approché du mémorial avec un t-shirt floqué du mot Russie. Ni une ni deux agents se sont précipités sur lui, le sommant de remettre son pull pour cacher son t-shirt. L'homme s'en est tiré avec un avertissement. C'est sans doute le 9 mai que la fracture qui traverse toute la société lettonne se fait la plus visible. Pour les Lettons, les festivités russes du 9 mai symbolisent l'occupation soviétique et l'anéantissement de la culture lettonne. Pour les Russes ethniques, cette fête nationale commémore les soldats soviétiques tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la vie quotidienne de ce pays bilingue, on ne remarque pas grand-chose de ces tensions. Si on s'adresse en russe à un letton de plus de 45 ans, on obtiendra probablement une réponse en russe, langue officielle sous l'occupation soviétique. Dans les universités, les institutions et les grandes entreprises, en revanche, les échanges se font en letton. Ce sont des lieux de mixité où naissent amitié et mariage russo-letton au sein de la jeune génération, qui a grandi dans une Lettonie démocratique, avec des valeurs et des normes européennes. Mais derrière cette façade d'un pays européen paisible et moderne, le mécontentement gronde au sein d'une grande partie de la communauté russophone, laquelle représente entre un quart et un tiers de la population lettonne. Ah oui, pardon. Accélérer la. Ah, t'es souhait! Accélérer la dérussification du pays. Après l'invasion de l'Ukraine, les pouvoirs publics lettons ont adopté, pour des raisons de sécurité nationale, une ribambelle de lois visant à accélérer la dérussification du pays. Au menu, déboulonnage des statues de l'époque soviétique, interdiction des chaînes de télévision russophones et sanctions pour quiconque ferait l'apologie publique de la guerre. Mais les mesures les plus incisives sont celles qui visent la langue russe. À partir de 2025, l'enseignement en russe sera progressivement supprimé. Et à partir de l'année scolaire 2026-2027, les élèves ne pourront plus choisir qu'une langue européenne, comprenez l'anglais, comme langue étrangère. D'autres projets sont également en cours pour interdire de communiquer en russe au travail ainsi que dans les magasins et les espaces publics. Plus, à partir du 14 février 2024, les véhicules avec une plaque d'immatriculation russe n'auront plus le droit de circuler et pourront être confisqués pour ensuite être donnés à l'Ukraine. La nouvelle loi sur l'immigration menace même de déporter vers la Russie des milliers de Russes ethniques. Il ne s'agit pas de Russes qui ont récemment fui le pays, mais de personnes venues s'installer en Lettonie au temps de l'occupation soviétique et qui, après l'indépendance, n'ont pas pu ou voulu prendre la citoyenneté lettonne. À l'époque, une partie de ces personnes a demandé un passeport russe pour pouvoir plus tard toucher une maigre pension de la Fédération de Russie. Désormais, pour rester en Lettonie, les Russes ethniques doivent demander un permis de séjour permanent. Condition sine qua non pour l'obtenir,
prouver qu'il maîtrise les bases du letton en réussissant un test linguistique. Bonjour Roscoe. Sur les 11 301 Russes qui ont passé cet examen linguistique avant septembre, 61% ont échoué alors qu'il s'agissait de leur première tentative. Les autorités leur accordent une seconde chance à condition qu'ils demandent à temps un nouvel examen et une prolongation de leur permis de séjour temporaire. Parmi eux, 3255 ne l'ont pas fait. Fin octobre, ils ont reçu un courrier officiel les sommant de quitter la Lettonie avant le 30 novembre. Un test de loyauté. À Daugavpils, dont la population comptait 48% de Russes ethniques en 2020, Olga Petkevica, 37 ans, est le visage public de l'opposition à ce test linguistique. Seuls les Russes doivent le passer, dénonce-t-elle. Pour avoir le droit de rester, les Biélorusses, les Arméniens, les Géorgiens ou les Ukrainiens doivent répondre à des conditions bien plus souples, c'est de la pure discrimination. À l'hôtel de ville, elle coordonne un groupe de bénévoles qui apporte un soutien pratique à des femmes russophones. Ce groupe leur diffuse des informations et les aide à obtenir et remplir des documents officiels. « Les gens sont en panique », alerte Olga. « Ils ne sont pas capables de lire les courriers des autorités et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient apprendre le letton à leur âge. » Olga a recueilli 10 000 signatures, ce qui lui a donné le droit d'être entendue par les parlementaires à l'origine de ce test linguistique. « Ils semblent ne rien connaître des personnes visées par cette mesure », relate-t-elle. Ils pensaient qu'il s'agissait de jeunes poutinistes radicaux qui déambulent avec des drapeaux russes. En réalité, ce sont des personnes âgées qui ont passé la plupart de leur vie ici, qui ont eu des enfants, des petits-enfants, et qui depuis toujours sont favorables à l'indépendance de la Lettonie. Les mesures du gouvernement n'ont pas de sens. Le russe est un symbole de notre identité. Aucune de ces femmes ne parlera jamais letton, même si elles réussissent l'examen. Ce que font les autorités, c'est imposer un test de loyauté à des personnes arrivées à la fin de leur existence. Pourtant, nous ne sommes pas les ennemis de la Lettonie. Olga lutte contre ce cliché selon lequel tous les russophones seraient pour la Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine et contre l'Occident et la Lettonie. Pour cette journaliste, qui travaille dans un journal local, parle letton et a suivi plusieurs formations universitaires, il est évident que Poutine est l'agresseur dans cette guerre. Un point de vue qui n'est cependant pas toujours partagé autour d'elle, notamment par les personnes âgées. J'ai discuté avec de nombreux habitants de Daugavpils et je sais que certains soutiennent la Russie. Un homme m'a lancé « Pourquoi n'écris-tu pas à Poutine ?» Je lui ai demandé ce que je pouvais bien lui écrire. Il m'a répondu « Alors j'irai moi-même à Moscou parler avec lui. » Quand j'entends cela, je ne peux que sourire. Ces personnes sont d'une autre époque. Elles sont bornées. Laissons-les mourir avec leurs idées. Propagande et perroquet. Dans son documentaire controversé, Daugavpils, ville de possible ou d'impossible, publié sur YouTube en janvier 2023, Vladislava Romanova se penche précisément sur les divisions de la population russophone à propos de la guerre. Ici, on a une photo à Daugavpils, en Lettonie, le 6 décembre 2023. Olga Petkevitka, journaliste et militante à gauche, aide Tatiana Matviva, une russe ethnique, à s'y trouver dans les méandres de documents bureaucratiques rédigés en letton. Vladislava Romanova a grandi à Daugavpils dans une famille russe où l'on regardait toujours la télévision d'État. Dans sa jeunesse, le 9 mai, avec ses festivités, était son jour préféré. Vers l'âge de 15 ans, une professeure lettonne qui l'a familiarisée avec la langue et la culture lettonne a noué avec elle un dialogue qui a totalement bouleversé sa vision de la Russie et de l'histoire lettonne. Elle m'a fait comprendre à quel point ma vision du monde était fausse. Mes camarades de classe, par contre, n'étaient pas ouverts au dialogue. Eux aussi auraient pu devenir des patriotes lettons, mais ils ont choisi une autre voie. Dans ce premier documentaire, Vladislava Romanova, aujourd'hui âgée de 29 ans, demande à ses concitoyens russophones ce qu'ils pensent du conflit en Ukraine. « Quand la guerre a éclaté, je me suis rendu compte que ma grand-mère et mes cousins n'étaient pas opposés à l'invasion », témoigne-t-elle. « Et quand j'ai mis un drapeau ukrainien dans un post Facebook, j'ai reçu des réactions nauséabondes. Je pense que quelqu'un devait donner à voir ses points de vue. » Avec mon documentaire, j'ai voulu montrer aux Lettons qu'à Daugavpils aussi, il existe des gens normaux qui, comme moi, trouvent cette guerre abjecte. Et j'ai voulu montrer aux poutinistes à quel point ils sont idiots de répéter comme des perroquets la propagande du Kremlin. Selon cette journaliste, la plupart des habitants de Daugavpils soutiennent la guerre de Vladimir Poutine. Ils ont grandi en Union soviétique et veulent encore faire partie des dominants, résume-t-elle. Ils n'acceptent pas le fait que la Lettonie a changé. Quand je parle letton ici, on me répond en russe. Je dis toujours qu'apprendre une langue, ce n'est pas la prononcer à la perfection.
Apprendre le laiton, c'est une attitude, une manière de montrer son respect pour le pays dans lequel on vit. Le battage médiatique autour de son documentaire a provoqué un tsunami de réactions. Ce film a ouvert les yeux à beaucoup de laitons, explique Vladislava Romanova, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur du soutien de la population de Daugavpils à Poutine. Certains sont soulagés de voir qu'il existe aussi des personnes qui se battent pour les valeurs de la société lettonne. De l'autre côté, les critiques de la communauté russophone me dépriment. Ils m'accusent d'être une traîtresse, d'être mauvaise et stupide. J'ai reçu des menaces de mort. À ses yeux, c'est une bonne chose que les autorités contraignent ses concitoyens russes à se mettre au laiton, et s'ils ne le font pas, qu'elles les reconduisent sous bonne escorte à la frontière russe. À Daugavpils, cela fait 20 ans que tout le monde peut suivre des cours de langue gratuitement. Les cours ne sont jamais pleins. Tous ces gens ont eu la possibilité d'apprendre les bases du laiton, mais ils ont fait d'autres choix. Je trouve donc bien qu'ils soient expulsés vers la Russie. Oui, même si cela doit arriver à des membres de ma famille. La loi sur l'immigration incite les gens à devenir davantage laitons. Ma mère en est un bon exemple. Elle ne parle pas super bien la langue, mais depuis la guerre, elle suit chaque semaine un cours de laiton. Elle comprend désormais l'importance de connaître et de respecter la langue et l'histoire lettonne. Elle compte demander la citoyenneté lettonne. Les autorités auraient dû prendre ces mesures bien plus tôt. Un article de David Peskens et H.J. Hunter, on l'a dit tout à l'heure, pour un journal qui s'appelle Trouve. Difficile de faire la différence entre les Russes vivant paisiblement dans un ex-pays de l'URSS et des colons dormants, surtout après ce qui s'est passé dans l'est de l'Ukraine en 2014. En effet. C'est pas facile hein, de prendre un parti ou l'autre par rapport à cette situation. Bien sûr qu'il y a une discrimination, mais en même temps, on se pose la question quand même, parce que quand on parle par exemple, enfin là on parle d'un colon, hein, d'un colonisateur. Quand on parle par exemple de la présence française dans certains pays d'Afrique, peut-être qu'il faut qu'on se mette aussi dans cette position-là. Est-ce que finalement la Russie en Lettonie, les Russes en Lettonie, ne sont pas une forme de colonisateur? Peut-être qu'ils ont, par manque de respect pour la culture lettonne, un devoir aussi de leur côté. C'est compliqué hein, de prendre un parti à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a, encore une fois, bien sûr qu'il y a une discrimination ici. Est-ce qu'elle est légitime? Une discrimination n'est jamais légitime. Est-ce qu'elle peut se comprendre? Oui, elle peut se comprendre. On peut comprendre cette discrimination, je pense. C'est compliqué. On va rester dans la série des pays qui se défendent qui se défendent contre la colonisation. On va parler cette fois-ci de Bora Bora. Donc, environnement. Contre le surtourisme, Bora Bora veut rester une île tranquille. Protéger l'environnement sans se priver complètement des revenus issus du tourisme, c'est toute la difficulté pour de nombreuses îles. En Polynésie française, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure, en Polynésie française, Bora Bora a fait le choix de limiter le nombre de visiteurs, alors que le nouveau gouvernement polynésien entend faire l'inverse. La petite île veut tenir bon, décrit The Guardian. Un article donc de The Guardian qui a été publié le 7 janvier. Ici, on voit un lagon de Bora Bora en Polynésie française. C'est très joli, c'est très très joli, cette île est magnifique. Bora Bora est une petite île au cœur du Pacifique Sud, en Polynésie française. Elle a un goût de paradis. Son point culminant se dresse au milieu de collines verdoyantes et son lagon turquoise est bordé de bungalows sur pilotis. Derrière une barrière de corail peu profonde, l'océan s'étend à perte de vue. Au cours des dernières décennies, sa beauté a commencé à lui nuire. Elle est devenue l'une des destinations de vacances les plus prisées du monde et d'énormes bateaux de croisière sont venus déverser des touristes. L'invasion a pris des proportions telles qu'en 2019, les autorités locales ont décidé de plafonner le nombre de passagers de paquebots autorisés à poser le pied sur son sol à compter de 2022.
je vais recevoir ma carte graphique plus tôt que prévu. Je vais juste garder ça à portée de main. En 2021, la Polynésie française a fait la une des journaux du monde entier en annonçant que les escales de navires de plus de 3 500 passagers seraient interdites dans tout son territoire à partir de 2022. Les autorités ont fait savoir quelque temps plus tard qu'elles comptaient également limiter le nombre total de touristes. Un virage qui menace les rivages. C'est joli comme titre. Mais en 2023, le nouveau gouvernement est revenu sur cette promesse. Il s'est donné pour objectif de quasiment doubler le nombre de visiteurs en 10 ans et d'immenses paquebots de croisière ont fait escale dans certains ports. Ce revirement a divisé la Polynésie française entre ceux qui veulent développer le secteur du tourisme et ceux qui soutiennent un modèle plus respectueux de l'environnement, comme celui appliqué à Bora Bora. Les projecteurs se sont braqués sur les navires de croisière qui favorisent le tourisme mais sont extrêmement polluants. Comme dans beaucoup de pays du Pacifique, le tourisme est vital pour la Polynésie française. Selon Tahiti Tourisme, l'Office du tourisme de Tahiti, il contribue à environ 12% du PIB et 80% des recettes à l'exportation. L'importance de ce secteur a fortement augmenté au cours de la dernière décennie avec un nombre de touristes passé d'environ 160 000 en 2011 à 236 000 en 2019. On a quasiment doublé. Ils proviennent principalement des États-Unis et de la France. Tourisme de luxe ou de masse, il faut choisir. Une partie de cette hausse est due à l'essor de la croisière maritime dans la région. Rénui Bessino, président du comité du tourisme de Bora Bora, raconte qu'à l'époque, des bateaux transportant jusqu'à 3000 passagers venaient mouiller dans le lagon et que leurs passagers envahissaient les rues. Avant la limitation du nombre de visiteurs, poursuit-il, deux modèles de tourisme s'opposaient sur l'île. Le tourisme de luxe, avec une île préservant sa tranquillité et des bateaux de faible capacité, et le tourisme de masse, avec des bateaux de croisière. Ces deux modèles ne sont pas compatibles. En 2019, la commune de Bora Bora a décidé de se concentrer sur le tourisme de luxe en limitant le nombre de passagers de bateaux de croisière sur l'île à 1200 par jour à partir de 2022. Les défenseurs de l'environnement ont applaudi cette décision. Plafonner le nombre de touristes est indispensable si nous voulons préserver nos atouts et notre mode de vie, déclare Marie-Laure Vanizette, porte-parole de l'organisation. Teora Naola, Fédération des associations de protection de l'environnement de Polynésie. Haro sur les paquebots. Comme beaucoup d'habitants, Vanizette n'est pas opposée à tous les bateaux de croisière. Elle pense qu'autoriser les navires de taille raisonnable pourrait permettre d'éviter la construction d'hôtels dont elle redoute les conséquences sur l'environnement et sur la liberté de circulation des insulaires. Elle voit en revanche les paquebots comme de gros monstres qui viennent de l'extérieur et nuisent au paysage et à l'environnement. Selon une étude réalisée en 2019, l'empreinte carbone d'un bateau de croisière est supérieure à celle de 12 000 voitures. Ces navires utilisent souvent du fuel lourd, une substance qui ressemble à du bitume liquide et émet des gaz à effet de serre lors de sa combustion. De nombreuses compagnies ont promis de passer au gaz naturel liquéfié, le GNL, mais les protecteurs de l'environnement préviennent que l'utilisation du GNL risque de libérer du méthane qui est également nocif pour le climat. La Cruise Line Industry Association, la CLIA, qui réunit les plus grandes compagnies de croisière du monde, a contesté cette évaluation. Ses membres, affirme Joël Katz, directeur général de CLIA Australasie, se sont engagés à réduire leurs émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport à 2008 et visent les croisières à zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Un président à contre-courant. Encore une fois, c'est jolie transition. Si Bora Bora a réduit le nombre de croisiéristes, une approche différente prévaut dans les autres îles. Moitai Brotherson, qui a été élu présidente de la Polynésie française en mai, a annoncé un objectif de 600 000 touristes par an d'ici 2033. Par comparaison, ils étaient de 119 000 l'année dernière. Donc on est sur une toute autre politique. À Papeete, la capitale du territoire, un nouveau terminal de croisière sur 3 terminaux est en cours de construction. Sa mise en service est prévue en 2024. De nombreux professionnels du tourisme ont accueilli le nouveau plan en faveur de leur secteur avec une joie mêlée de prudence. Ils s'inquiètent en effet de la manière dont cet afflux supplémentaire de visiteurs sera géré.
Pour Alexandrine Van, directrice de l'agence de voyage Nani Travels, il est possible de développer le tourisme de manière durable, mais toute stratégie doit être mûrement réfléchie, correspondre aux souhaits de la population et respecter l'environnement. À Bora Bora, le nombre de touristes restera limité, même s'il augmente dans le reste de la Polynésie française. Nous avons opté pour une approche différente parce que notre île est très petite, explique Maire Rory Leverde, directrice générale des services de la commune. Nocif à tout point de vue. Pour Vanizette, l'approche de Brotherson est désastreuse parce qu'elle entraînera une hausse de la fréquentation touristique. Elle est en contradiction totale avec une stratégie de tourisme durable, insiste-t-elle. Timothy McNeil, directeur du département de développement durable à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, enfonce le clou. Le tourisme de croisière est extrêmement nocif à tout point de vue, affirme-t-il. Si l'on cherche une industrie à arrêter complètement, il représente un bon candidat. Face à toutes ces inquiétudes, Vanizette espère cependant que l'approche de Bora Bora redeviendra un modèle pour toute la Polynésie française. Elle est plus durable, plus écologique et permet aux familles de gagner plus d'argent, souligne-t-elle. Presque 2 ans ont passé depuis l'entrée en application de la limitation du nombre de touristes de croisière à Bora Bora. Bessineau affirme que l'île est prospère et reste fermement engagée sur la voie qu'elle s'est choisie. « Nous voulons rester une île tranquille », insiste-t-il. Un article de Pete McKenzie et Thierry Tuia, je vais y arriver, pour The Guardian. Zéro carbone d'ici 2050 pour la croisière. Ma question serait comment ? Excellente question. J'ai bien peur que même eux n'aient pas la réponse. Tu reviens vers moi, chaton. Oh bah oui. Oh là là. Oh. Tu viens faire des bonjour. Tu dis bonjour. On va continuer sur la série touriste. Cette fois-ci, on va parler du tourisme au gouvernement. J'adore cette transition. Non, je pense qu'on va parler du remaniement plus tard. On en parlera la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'on fera ce point sur le remaniement du gouvernement et sur le nouveau gouvernement et les différentes assertions de ce nouveau gouvernement. Je regarde ce que j'ai là encore. Bonne journée, Cat Crumble, à bientôt. On va revenir sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je sais pas si... Ouais, est-ce que tu disais qu'il était vachement long et là, il nous reste plus beaucoup de temps. On va peut-être pas parler de ça. Donc, pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est dur de choisir de quoi parler là. Équipe Z de la semaine prochaine. Ça va, chaton? Bah oui. T'es bien là, on est bien là, on est bien là. On va rester sur ça, ça va être très bien. Je sais pas trop à quel moment le lire cet article, ça me paraît pas mal. Ah bah non, attends, tiens, on va prendre celui-là. Nickel. Nickel. Aux États-Unis cette fois-ci. On part aux États-Unis pour le démantèlement d'un barrage dans l'Ouest américain. D'un démantèlement de plusieurs barrages. Et là, on va parler encore... Bienvenue, Stay High parmi nous. Merci pour le follow. Principal lycée au Japon. Principal de lycée au Japon. Ah. Les MIMS et fournis RL par chaton.
Bonjour. Oui. Petit chat. Il aime pas quand je lui fais des bisous sur la tête. Tu es trop mignon. Maintenant, il aime bien. Avant, il aimait pas du tout. Maintenant, il se laisse faire. Je crois qu'il a dit. Je crois qu'il a compris que il avait pas le choix, en fait. Environnement toujours, en fait. On reste dans le même sujet, mais avec un autre article loin dans l'autre côté, par rapport à nous, sur la planisphère. On a la Polynésie française, il me semble, qui est plutôt de ce côté-là. Et là, on va aller dans l'Ouest américain, donc c'est de l'autre côté. Le démantèlement historique des barrages sur le fleuve Klamath. Donc on parle toujours de colonisation, hein. Cette fois-ci, on va parler de cette colonisation-là, des Blancs qui ont colonisé les États-Unis, et notamment les réserves de saumon et les réserves de poissons. Et les réserves amérindiennes, les tribus amérindiennes qui subissent cette colonisation. C'est bien, on reste dans ce thème de colonisation aujourd'hui, ce matin, c'est intéressant. C'est un chantier d'une ampleur dans l'Ouest américain, j'ai déjà dit. Le démantèlement historique des barrages sur le fleuve Klamath. C'est un chantier d'une ampleur inédite aux États-Unis. Les 4 barrages hydroélectriques construits le long de ce cours d'eau sur la frontière entre l'Oregon et la Californie sont en train d'être démantelés. Une bonne nouvelle pour la tribu amérindienne Yurok, qui pourrait ainsi renouer avec son mode de vie traditionnel et voir revenir la faune et la flore endémiques, surtout les saumons, dont la population a été mise à mal par les ouvrages, rappelle le Los Angeles Times. Donc, c'est un article qui a été publié le 16 janvier. C'est vraiment beaucoup plus récent que les autres. Ici, on est à l'embouchure du fleuve Klamath, quand il se jette dans l'océan Pacifique, à Klamath, en Californie. Et c'est une photo qui date de août 2023. De Wetchpec, Californie, les cadavres ont commencé par descendre le Klamath au compte-gouttes, puis ils furent des centaines, puis des milliers. En ce jour de septembre, il y a 21 ans, le fleuve était rempli de saumons morts, des dizaines de milliers de saumons sur des kilomètres. Sur un canoë avec une amie, Anelia Hillman, 27 ans à l'époque, de la tribu Yurok, une tribu amérindienne du nord de la Californie, les regardait défiler le cœur gros. Comme les autres membres de la tribu, elle n'oublierait jamais la puanteur de la mort. C'est comme voir sa famille et sa famille périr sous ses yeux. Je comparerais ça à un massacre, vraiment, vu les émotions et le traumatisme que ça nous a causé. Poussée par la douleur, Anelia Hillman s'est mise à agir pour exiger un changement. L'hécatombe de 2002, le nombre de saumons morts ce jour-là était estimé à 70 000, a été un moment décisif pour toute une génération de jeunes amérindiens. Un moment qui montrait que l'écosystème du Klamath était gravement malade et avait grandement besoin de soins. Les captations d'eau pour l'agriculture avaient fait baisser de façon spectaculaire le volume du fleuve, et les 4 barrages hydroélectriques construits entre 1912 et les années 60, sans le consentement de la tribu, le long de la frontière entre la Californie et l'Oregon, qui empêchaient depuis longtemps les saumons de gagner leur zone de reproduction, avait dégradé la qualité de l'eau, provoquant l'apparition d'algues toxiques et de maladies chez les poissons. Notre ligne de vie. 70 000, ouais, je pense que jamais on réalisera, en fait. Quand les dirigeants amérindiens ont commencé à exiger la démolition des barrages, leurs chances de réussite paraissaient faibles au mieux. Cependant, après plus de 20 ans d'efforts persistants, protestations lors des assemblées des actionnaires, manifestations sur le fleuve et négociations compliquées, entre autres, le démantèlement a enfin commencé. Un petit ouvrage a déjà disparu et les 3 autres devraient suivre en 2024. Ici, on a une carte. Oh, une jolie carte. On aime bien les cartes ici. Bah là, c'est ce qui a dû générer des algues. Du coup, la réaction, elle a été assez soudaine. On a eu des algues qui ont dû pousser après la mort des cadavres des poissons. Ils n'ont pas pu tout ramasser. Et les cadavres de poissons, c'est pas forcément très bon globalement pour la faune et la flore. Donc on est entre l'Oregon et la Californie, hein, sur la limite. Les États-Unis ont des limites qui sont très droites, hein, ils ont tracé des traits comme ça, donc la frontière, elle est là. C'est vraiment là. Et le fleuve, il est là. Donc on a le fleuve qui est représenté en bleu ici. Et puis en rouge, donc on a un barrage, le barrage COPCO numéro 2, qui va être démoli en 2023. Et puis en bleu,
Les barrages COPCO numéro 1 et Iron Gate, ici, et puis le barrage John C. Boyle, qui vont être démolis en 2023. Donc, barrage démoli, il a été démoli, déjà, celui-là. Et donc, ici, on a les Klamath Falls, donc c'est des chutes, hein, des chutes d'eau. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Alors oui, le bassin versant du Klamath en vert, comme ça, c'est pour voir tout ce qui est déversé, tout ce qui est alimenté par le fleuve. Voilà. Il devait y avoir pas mal de charognards, mais après, il devait même plus y en avoir. Ouais. Bah, sur le coup, peut-être qu'il y avait des charognards. Mais bon, le poisson mort, ça pue, hein. Je suis même pas sûre que les charognards, ils veulent manger ça. Pour les membres des tribus Yurok, Karuk et autres qui ont baigné dans la lutte pendant la plus grande partie de leur vie, la disparition des barrages du Klamath va permettre à l'écosystème de se rétablir et aux populations de poissons de se reconstruire, de se reconstituer. Les changements à venir vont renforcer le lien ancestral qui les entretiennent avec le fleuve et maintenir en vie leur tradition de pêche. Ce fleuve, c'est notre ligne de vie. C'est notre mère, c'est lui qui nous nourrit, déclare Anelia Hillman. C'est le fondement de notre peuple, de notre culture. Le démantèlement des barrages a été lancé en juin 2023. COPCO numéro 2, le plus petit, a été démoli au moyen de gros engins. Les trois autres doivent suivre en 2024. Les travaux commenceront par une réduction du niveau des réservoirs en janvier. Une étape lancée le 11 janvier au barrage Iron Gate. Donc on revient, le barrage Iron Gate, c'est le tout dernier, là, celui-là, tout dernier en aval du fleuve. C'est le plus grand projet. Alors attends. Et voilà, c'est ça. C'est un chantier d'une ampleur énorme, déclare Mark Pransom, président de Klamath River Renewal Corp. Une organisation à but non lucratif. Donc c'est River, je ne sais plus comment on dit. Une organisation à but non lucratif qui supervise le démantèlement des barrages et la restauration du fleuve. C'est le plus grand projet de démantèlement de barrages jamais entrepris aux États-Unis et peut-être même dans le monde. Le budget est de 450 millions de dollars, 410 millions d'euros. Sur cette somme, 200 millions viennent des usagers du fournisseur d'électricité Pacificorp, propriétaire des barrages. Ils paient une surcharge pour financer le projet. Pacificorp, une société de Portland qui fait partie du conglomérat Berkshire Hathaway, du milliardaire Warren Buffett, a accepté de démanteler ses ouvrages après avoir jugé que cela reviendrait moins cher que de les mettre aux normes environnementales actuelles. On se souvient de deux choses dont on a parlé cette semaine, c'est de Portland, donc on sait où est Portland maintenant, c'est juste au nord de ces deux états, même Portland c'est dans l'Oregon, hein, on se souvient de ça, donc c'est au nord de la Californie là, Portland c'est juste au-dessus, ça doit être par là. Enfin un peu plus dans les terres d'ailleurs. Et puis on se souvient de la deuxième chose, c'est que on en a parlé hier, cette somme d'argent là, c'est 450 millions de dollars pour les grands groupes américains qui sont en Californie, ça représente des clopinettes. Donc pour Warren Buffett qui est milliardaire, ça représente pas beaucoup. Il aurait pu donner un peu plus quand même, hein, mais bon. Une armée de pelleteuses et de camions bennes. Les barrages servaient uniquement à produire de l'électricité, pas à stocker de l'eau pour des villes ou des exploitations agricoles. Si ces barrages sont démantelés, c'est parce qu'ils ont atteint la fin de leur vie utile, explique Mark Branson. La quantité d'électricité qu'ils génèrent est vraiment insignifiante, de l'ordre de 2% de celle produite par leurs propriétaires. Le projet a reçu 250 millions de dollars de plus grâce à la proposition 1, une disposition adoptée par les électeurs californiens en 2014, et qui prévoyait, entre autres, d'affecter des fonds à la suppression des obstacles empêchant les poissons de circuler librement dans les cours d'eau. Les équipes de la société Kiewit Corp ont préparé routes et ponts à accueillir une armée de pelleteuses et de camions bennes. Ces barrages sont constitués de milliers de tonnes de béton et d'acier qu'il va falloir enlever, explique Mark Branson. On aura probablement 400 à 500 ouvriers au plus fort du chantier. Nous nous sommes rendus sur place au mois d'août. Mark Branson se tenait sur un promontoire rocheux surplombant le barrage Iron Gate. Des ouvriers étaient en train de préparer un tunnel de drainage. « On ne fera pas sauter l'ensemble de l'ouvrage », a expliqué Mark Branson, « mais on va creuser des tunnels pour évacuer des tonnes de sédiments accumulés dans les réservoirs à coups d'explosifs. Pendant que l'eau s'écoulera, des ouvriers sur les canaux repousseront la vase dans le fleuve avec des lances et des lances à incendie. » Le projet prévoit en outre, donc retour à l'état naturel, le projet prévoit en outre de rendre à l'état naturel près de 900 hectares,
qui formait le fond des lacs de retenue. Au cours des dernières décennies, près de 1 milliard de graines de plantes endogènes ont été collectées le long du Klamath et envoyées à des fermes où elles ont été plantées. On a ainsi obtenu près de 13 milliards de graines, 26 tonnes en tout, qui seront plantées sur le site une fois les réservoirs asséchés. Quand même, les autres animaux en veulent plus. Dans les fonds marins, un corps de baleine serait parti en une nuit, mais là, c'est clair. 169 mégawatts en plus pour l'ensemble des barrages, c'est pas foufou. Le fragment, c'est sur les pizzas. Ici, on a Alelia Hillman, dont on parlait un peu plus haut dans l'article, l'une des responsables du programme de sensibilisation de la tribu Yurok, qui cueille des légumes dans un jardin communautaire sur les berges du fleuve Klamath en août 2023 à Witch Peak, en Californie. L'objectif, c'est que la végétation endogène repousse sur le bassin versant et que le poisson recommence à gagner les 676 km de zone de reproduction du fleuve et de ses affluents. La nature sait ce qu'elle veut, donc nous, on s'efforce de travailler avec Mère Nature pour créer les conditions qui permettront au fleuve de récupérer et à la région de retrouver son équilibre, ajoute Mark Bransom. On donne une très légère poussée pour faire bouger les choses dans la bonne direction. Alimenté par la fonte des neiges de la chaîne des Cascades, le Klamath prend forme parmi les lacs et marais qui s'étendent le long de la frontière entre la Californie et l'Oregon. Serpente au milieu d'un terrain montagneux, escarpé, avant de finir sa route sur la côte pacifique, au milieu des forêts de séquoia. Guerre de saumon. La lutte pour le démantèlement des barrages est la dernière d'une série de combats pour la gestion du fleuve et la préservation du mode de vie des Yurok. Suzanne Masten, 71 ans, se souvient d'une période en 78 que les Yurok appellent la guerre du saumon. 5 ans auparavant, la Cour suprême avait reconnu le droit de pêche de la tribu dans une affaire qui impliquait Raymond Matz, l'oncle de Suzanne. Cette décision avait d'ailleurs fait date, cependant les autorités fédérales avaient interdit la pêche sur le Klamath alors même qu'elle était autorisée sur la côte. Décidés à défendre leurs droits et leur souveraineté, les Yurok se sont retrouvés face à des policiers en tenue anti-émeute armés de matraques et de M16. Nombre de personnes ont craint pour leur vie. Suzanne Masten a vu des policiers emmener une femme en la tirant par les cheveux lors d'une manifestation au bord du fleuve. Une autre fois, les policiers ont tordu le bras de son grand-père dans le dos. Les tensions ont fini par s'apaiser quand les policiers sont partis et les Yurok ont pu continuer à pêcher. Cependant, le déclin des populations de poissons a fait naître une autre menace, tout comme les 4 barrages hydroélectriques. Suzanne Masten, qui présidait la tribu lors de l'hécatombe de 2002, a été folle de joie quand les autorités fédérales ont accepté le projet de démolition du barrage. « Je ne pensais pas voir le démantèlement des barrages de mon vivant », confie-t-elle. Ici, c'est le 18 août 2023 à Klamath, en Californie. À gauche, les modifications en cours sur un tunnel du barrage Iron Gate qui servira à assécher le lac de retenue en 2024. Ici, donc. Nous sommes dans l'estuaire, à bord d'un canot à moteur qui dérive vers l'embouchure. Les vagues se brisent sur une barrière de sable. Pélicans, cormorants et balbuzards filent au-dessus de l'eau sombre. « Tout ce qui est ici est lié à ce fleuve », déclare-t-elle. Pour assurer l'avenir de nos enfants, il faut donc que nous fassions en sorte que ce fleuve soit là et en bonne santé, et que l'écosystème soit en bonne santé parce que c'est le cœur de notre peuple, c'est la vie de notre peuple. Suzanne Masten vit à Rekwai, son village ancestral. Sa maison se trouve sur un promontoire qui surplombe l'embouchure du fleuve. Une fois que les barrages auront disparu, elle pense que les poissons prospéreront et que tout l'écosystème sera florissant. « Le fleuve sait se soigner lui-même et il peut se soigner très rapidement si on le laisse faire », explique-t-elle. « Je suis ravie que mes petits-enfants puissent en profiter. » Le fleuve, une personne légale. Amy Bowers Cordalis, sa nièce, est l'avocate de la tribu et s'occupe des questions relatives au Klamath. Elle a participé à la négociation des accords entre la Californie, l'Oregon et le Pacific Corps pour le démantèlement des barrages. « Nous avons fait pression, nous n'avons rien lâché », déclare-t-elle. « Nous nous sommes unis » et avons trouvé le moyen de faire disparaître ces barrages. Il y a plusieurs années, Amy Bowers Cordalis avait élaboré une déclaration qui considérait le fleuve comme une personne légale selon le droit de la tribu. Cette mesure visait à offrir au Klamath une plus grande protection. L'un des gros problèmes, explique-t-elle, c'est qu'à cause des barrages, les eaux de ruissellement agricole remplies de nutriments se retrouvent dans les lacs et favorisent l'apparition d'algues. Ah bah voilà la raison.
Quand l'eau du fleuve est impropre à la baignade, les membres de la tribu ne peuvent procéder aux cérémonies pour lesquelles il faut se plonger dedans. Désolée. La disparition des barrages est la première étape vers une nouvelle ère, qui, une ère de convalescence, ajoute-t-elle. Elle espère finir par retrouver le fleuve florissant où le poisson abondait que son arrière-grand-mère avait connu il y a un siècle. Ok. Ici, on a des saumons royaux qui nagent dans l'alvénière d'Iron Gate, en contrebas du barrage à Hornbrook, en Californie, en août 2023. Le problème, quand même, c'est ces ruissellements agricoles remplis de nutriments qu'il faudrait peut-être aussi arrêter. Derrière elle, un saumon... Bonjour, Don Quichorque. Derrière elle, un saumon saute, les écailles étincelantes, et replonge dans l'eau avec un plouf. Puis c'est un autre qui saute. Il y a une grosse bande qui vient de passer, lance un homme depuis un bateau. Même si leur population est très faible, quelques saumons réussissent à remonter le fleuve pour se reproduire, ce que Amy Bowers Cordalis juge encourageant. La valeur des biens baisse déjà. Tout le monde ne se réjouit pas de la disparition des barrages. Le projet s'est heurté à une opposition acharnée dans certaines zones. Certaines des personnes qui vivent autour du lac Kopko ont une maison au bord de l'eau avec canots et pontons. Tout ceci se retrouvera bien au-dessus du niveau de l'eau quand le lac sera asséché. Alan Marcillier aime faire du kayak. D'après lui, la plupart des habitants n'ont pas hâte de voir ces changements arriver. On va se retrouver avec une étendue de vases. La communauté va tout simplement mourir. Sur la centaine de personnes qui viennent ici, je dirais que la moitié ne reviendra pas. German et Jeanne Diaz, deux de ses voisins, ont acheté une maison au-dessus du lac il y a plus de 20 ans pour y passer leur retraite. La vue va changer de façon spectaculaire et ils craignent que la vase qui tapisse le fond du réservoir ne se transforme en poussière et ne pollue l'air une fois exposée. « Qu'est-ce que la communauté va devenir ?» demande German Diaz. « Est-ce qu'on va connaître des tempêtes de sable pendant un moment ?» La Klamath River Renewal Corp a accepté d'indemniser les propriétaires pour les dommages liés à la démolition des barrages. German Diaz n'a cependant pas l'intention de faire une demande. « La valeur des biens baisse déjà, ajoute-t-il. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» D'autres considèrent le réservoir comme un atout, parce qu'il attire la faune et constitue une réserve d'eau pour les hélicoptères des pompiers. Genève Spanaus a 80 ans. Son arrière-grand-père possédait jadis une pommeraie sur les terres qui sont aujourd'hui submergées. Elle est fortement opposée à l'assèchement du lac, comme de nombreux autres. Ça va tout changer pour la communauté, on ne sait pas dans quoi on se lance. Alors, Aël nous envoie une photo des maisons traditionnelles du Roc. Hop. C'est joli. Les méfaits des mines d'or et de l'irrigation. Les populations de saumon royal et de saumon argenté du Klamath, comme celles d'autres poissons, ont diminué de près de 90% au cours du dernier siècle, déclare Barry McCovey Jr., le directeur des pêches de la tribu Yurok. Les barrages en sont en grande partie responsables et nous faisons tout pour réparer, assure-t-il. Cependant, d'autres éléments entrent également en jeu, les mines d'or par exemple, qui ont ravagé le bassin de ruissellement, et des décennies d'abattage des arbres qui ont dénudé certaines zones et permis l'écoulement dans le fleuve de sédiments nuisibles aux poissons. De plus, l'interdiction depuis un siècle de faire du feu dans la forêt et l'absence de brûlis traditionnels font que les forêts sont susceptibles de connaître des incendies catastrophiques, lesquels libèrent des substances qui empoisonnent l'écosystème, explique Barry McCovey Jr. Ajoutez à tout ça le changement climatique, poursuit-il. L'eau du Klamath est très utilisée par l'agriculture pour irriguer les oignons et les prairies, mais par exemple. La tribu Yurok a intenté des recours contre certaines décisions du gouvernement fédéral qui ne prévoient pas le volume d'eau minimum requis pour le poisson, entre autres le saumon argenté qui est menacé. Le démantèlement des barrages est une mesure essentielle et il survient à un moment décisif pour les saumons, déclare Barry McCovey Jr., mais la situation ne se rétablira pas en 2 ou 3 ans. Nous devons accepter que ces choses prennent du temps, convient-il. Je ne crois pas que l'écosystème du Klamath sera récupéré de mon vivant, et peut-être qu'il ne récupérera jamais, complètement. Mais l'objectif, c'est de s'en approcher le plus possible. Il faudra des générations pour rétablir son équilibre, et il est prêt à s'y employer. En attendant, les gens parlent de ce qu'ils feront quand tous les barrages auront disparu, une fois que le fleuve coulera à nouveau librement.
Barry McCovey Jr. espère le descendre en radeau gonflable et se laisser porter par le courant sur des kilomètres. Un article de Ian James, on l'a dit, pour le Los Angeles Times, qui a été publié donc le 16 janvier sur le courrier international. C'était très intéressant cette matinale. Des articles qui nous ont fait vachement voyager. Où on va parler du gouvernement demain? Bonjour Schtroumpf. Bon, tu arrives à la fin, malheureusement. Là, je vais pas tarder à arrêter. Parce qu'il est 11h, que j'étais censée arrêter à 11h. Il est 11h06 déjà. Alors, faut que je regarde si ouais, vous avez pas de son. Alors, attends. Déjà, je fais ça. Hop. Et je fais ça. Demain ? Non, c'est pas demain, effectivement, vous avez raison. C'est samedi, lundi, effectivement, lundi. Lundi, on va parler du gouvernement. Demain, c'est repos, vous avez tout à fait raison, merci. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, bonjour Scotcho, t'as vu, je le prononce bien maintenant, Scotcho. Bonjour Tréguy, je suis là tard parce que j'ai travaillé tard hier soir, donc je commence plus tard en ce moment le matin, du coup je fais ma matinale un peu plus tard. Mais ça va pas durer, hein. Je reprends très vite les bonnes habitudes à partir de lundi matin, et mardi matin probablement je serai un peu tard aussi, parce que lundi soir j'ai encore, je fais des formations, je dispense des formations pour des gens qui sont en Polynésie française, donc... Pas proximité géographique et du coup qui ne pas vraiment les mêmes heures que nous. Voilà. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. You're setting up a trap for our cats. Someone found out that the kitty cat trees were in this floor. And we don't know how they're doing it. Our theory is that they're opening the trap and going up in there and pushing the drawer out. Énorme, c'est très très fort. Bonjour Cyril Hoche. Oui, le matin ça finit à 16h du matin pour certaines personnes, mais pas pour moi. Le matin ça finit à midi, voilà.
On est encore le matin. On est encore le matin. Tout va bien. C'est une bande organisée, ouais, c'est ça. C'est mignon, je suis trop mignon. Le soir série, ouais. C'est le matinal du matin avec Laurie. Parce que c'est le week-end, c'est pour ça. C'est toi qui l'as dit en plus, hein. Petite dernière, allez. Parce que c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Commande à la borne, momentanément indisponible, problème réglé, vous pouvez passer à table. C'était très très bon ça, bravo. Bravo. Le soir c'est Rihanna. Allez, une vraie dernière. Je sais pas ce qu'elle m'a envoyé encore, Marine. C'est Marine qui nous a envoyé tout ça. C'est trop mignon! C'est trop mignon! Ah là 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 là! Bien. C'est la fin de cette matinale. Si vous nous rejoignez à l'instant et que vous souhaitez partager des actualités avec nous, que vous avez des choses à raconter ou que vous avez envie de parler, vous pouvez venir sur le serveur Discord de la communauté et vous retrouverez la plupart des gens qui sont ici le matin. Hein, beaucoup d'entre vous y sont déjà. Et vous retrouvez normalement une ambiance plutôt chouette, à part quand on a des gens de l'UPR qui viennent vendre leurs idées. Hein, parce que... Globalement, je suis plutôt défavorable à toute forme de prosélytisme, quel qu'il soit. Donc si vous venez sur le serveur Discord, si vous avez un compte vérifié, effectivement... Oui, parce que j'aime pas trop qu'il y ait des gens qui viennent en inconnu et tout. Mais donc, si vous venez sur le serveur Discord de la commu pour faire du prosélytisme pour votre organisation politique, vous allez vous faire virer. Vous allez vous faire recevoir déjà, puis après, vous allez vous faire virer. Donc voilà, je suis plutôt cool. Je pense que je vais rajouter ça dans les règles, pas de prosélytisme. Du coup, comme ça, voilà. Il y avait quelqu'un de l'UPR qui venait, puis qui venait, qui était venu et qui avait commencé à raconter des trucs sur l'Europe c'est le mal, et puis qui commençait à parler de théories un peu fumeuses, donc on a procédé à un kickban dans les règles. Voilà, c'était ça, c'était y a un complot, mais ouvrez les yeux. Ouais, je retirerais bien le numéro de téléphone, mais là, vraiment, j'ai un peu peur, en fait, que des gens pas très bien intentionnés rejoignent la commu, et comme je suis pas 100% présente pour surveiller, du coup, voilà. Et puis ouais, du coup là pareil, j'ai le même problème avec, enfin problème, c'est pas un problème, c'est juste que j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube là. Alors au début de la matinale, elle était à 343 vues, on est passé à 344, voilà, il y a une personne qui l'a regardée depuis ce matin. Donc c'est la vidéo de la matinale du 24 janvier qui a commencé à décoller complètement, donc c'est assez marrant. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, le planning de diffusion, c'est une semaine après... D'ailleurs, Discord a cette option pour enregistrer les voix sans le consentement. Il faut la décocher si vous n'avez pas vu. Ah oui, d'accord. Ok, bah, je vais faire ça.
Qu'est-ce que je disais? Oui, le planning de diffusion, en fait, les vidéos sont diffusées. Enfin, je fais mes lives du lundi au vendredi, hein, globalement, plutôt le matin entre 8h et 9h. Et ensuite, à part exceptionnellement aujourd'hui et hier, et probablement mardi aussi, ensuite, les vidéos sont disponibles pendant 2 mois sur Twitch. Donc, je fais mes lives le matin sur Twitch, voilà. Les vidéos sont disponibles pendant 2 mois sur Twitch et une semaine après la diffusion sur Twitch, je les envoie sur YouTube. Donc vous pouvez les retrouver sur YouTube une semaine après la diffusion sur Twitch et 2 semaines après la diffusion sur Twitch, je les publie sur mon site internet. Enfin, une semaine ou 2 semaines, c'est-à-dire que tous les samedis, je m'occupe de ça en fait. Tous les samedis, je publie les vidéos de la semaine, je les programme pour la semaine d'après et sur YouTube et les vidéos de la semaine d'avant, je les mets sur mon site internet. Je me fais pas trop chier, enfin je fais ça le samedi ou le vendredi des fois quand j'ai le temps. Enfin, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Mais du coup c'est diffusé un jour après l'autre sur le site internet et puis sur le site internet et sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez me suivre sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez bien sûr me retrouver. Alors c'est je crois que c'est Flory. C'est Flory, je crois, mon prénom. Je crois que si on fait comme ça, ça marche. Ouais, c'est ça. @flory_. Donc si vous voulez me suivre sur ma chaîne YouTube, allez-y, hein, c'est toujours cool. Et puis surtout, vous verrez que de temps en temps, je reçois des petits commentaires, parfois pas très sympas, de personnes qui sont plutôt soit mélanchonistes, soit lepénistes, ce qui est assez drôle. On dirait qu'il n'y a que ça sur YouTube, il y a l'un ou l'autre, et il y a très peu des deux, très peu entre les deux, enfin, les personnes qui sont ni l'un ni l'autre, ça serait plutôt cool. Mais non, je trouve pas beaucoup. Donc voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne, des pouces bleus, comme il dirait l'autre. Et puis c'est tout. Merci pour avoir été parmi nous ce matin et avoir participé au chat de cette matinale. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end aussi, vu qu'on va pas se revoir avant lundi. Aimez-vous, je vais y arriver. De rien. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez parce que c'est important. Prenez soin de vous et à très vite. Je vais y arriver. Ouais, à bientôt.